Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. La chanteuse Emel, bienvenue à vous, votre nouvel album. On va en découvrir bien entendu un extrait, s'appelle The Tunis Diaries. On pourrait traduire par journal intime de Tunis. Emel, d'ailleurs, vous faites partie des 140 artistes à rendre un hommage, en tout cas une célébration, au dernier jour des 90 ans. C'est le nom de l'initiative du grand poète Adonis. Avec nous en visio à Paris, l'un des co-initiateurs de cette œuvre. Donatien Gros, merci beaucoup d'être avec nous. On va voir en quoi consistent donc ces belles célébrations aux poètes que l'on voit à l'image. Et puis Khadija Mohsen-Finan nous rejoindra tout à l'heure, historienne politologue. Elle a écrit un livre que vous voyez à l'image qui a pour titre « Tunisie, l'apprentissage de la démocratie 2011-2021 ». Et oui, 10 ans déjà, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Emel, une décennie donc, il y a 10 ans, tout juste, le monde entier découvrait votre visage et votre voix. Avenue Bourguiba à Tunis, votre vidéo performance Kemti Hora, ma parole est libre, retentissait donc dans la capitale tunisienne avec des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Petite séquence historique de la révolution tunisienne. Outil, voilà qui vous a valu un nom, une expression, l'égérie de la révolution tunisienne. Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant ces images? C'est toujours très émouvant, surtout que moi, quand j'ai chanté et puis les jours qui ont suivi, pour moi, je n'avais pas forcément réalisé que ce moment ou cette interprétation allait forcément parler aux gens, ouais, ou les faire ressentir quelque chose. Et finalement, quoi qu'il en soit, hier j'ai passé la nuit à lire tous les témoignages et ça restera toujours un moment qui donnera beaucoup d'espoir et qui représentera l'espoir aux Tunisiens. Et pour ça, je suis vraiment très fière d'avoir contribué à ça. Ben Ali est parti le 14 janvier. Vous vous souvenez de cette journée? C'était quand? C'était quelques jours avant? Cette journée, c'était quelques jours après. Quelques jours après, du coup. Ben Ali était déjà parti. Oui. Quel souvenir gardez-vous de ces événements historiques, de cette révolution? Moi, ce que je garde vraiment, c'est ce grand sentiment d'euphorie, cette utopie qui s'est emparée de notre pays d'un coup. Tout le monde a soufflé un énorme coup. Oui. Pourtant, c'était très confus. On n'avait pas très bien, on n'avait aucune idée de ce qui allait vraiment se passer, mais tout le monde était en cohésion, il y avait une bonne unité qui, je pense, c'est quelque chose qui va jamais disparaître. Qui va jamais disparaître. Et c'était une parenthèse, ouais, dans la Tunisie, puis dans l'humanité entière, ouais, d'avoir réussi une révolution, d'avoir chassé le dictateur et d'avoir gardé vraiment les pieds sur terre et la main dans la main. Le mur de la peur était tombé, la main dans la main. D'ailleurs, 4 ans plus tard, vous chantiez votre titre « Kemti Hora » que l'on vient d'entendre à Oslo, lors du concert pour le prix Nobel de la paix qui avait été remis au quartet, ce qu'on appelait le quartet du dialogue national tunisien. 10 ans ont passé, quel jugement portez-vous? Il y a de vifs débats, on va l'évoquer bien entendu avec Khadija Mohsen-Finan tout à l'heure, il y a de vifs débats. Pour vous, si vous deviez tirer un bilan, qu'est-ce qu'il serait? On parle beaucoup de désespoir. Oui, oui, certainement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de légitimité au désespoir. Mais moi, je ne céderai jamais à la nostalgie pour la dictature. Ça, c'est pour moi non négociable, inacceptable, ouais, et non négociable, parce que de toute façon, il reste un acquis que tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord, que la liberté d'expression, ça reste un acquis inébranlable, qui peut de temps en temps, oui, mais qu'il faut défendre. Tout le monde peut parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment
Ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas du tout se comparer à ce qu'il y avait Fini avant. Fini le régime policier et autocratique qui existait. Voilà, aujourd'hui, les médias sont libres, les gens peuvent parler dans la rue, entre eux. On oublie, parce que finalement, la souffrance, elle s'évapore un peu. Mais quand on relit les témoignages et quand on sait ce qui s'est passé dans la torture, dans les géoles, pour plein d'innocents, ça, quand même, c'est une époque qui a été révolue. Rappelons d'ailleurs que les Tunisiennes et les Tunisiens n'aiment pas beaucoup quand on dit révolution du jasmin, qui donne un peu comme au Portugal la révolution des œillets, un côté pacifique, alors qu'il y a quand même eu 338 morts et plus de 2000 blessés, certains blessés qui se sentent d'ailleurs les grands oubliés de ces événements. Emel, on va parler de votre album, The Tunis Diaries, réalisé avec la complicité, alors c'est assez original, mais en même temps c'est emblématique du confinement planétaire que beaucoup ont vécu, avec un fan, la complicité d'un fan. Racontez-nous d'abord. Alors, moi j'étais de passage pour fêter l'anniversaire de mon père, donc je pensais que j'allais repartir au bout de 10 jours. Et en provenance de New York, hein, New York-Tunis. Voilà, donc je suis arrivée et quand petit à petit, tous mes concerts et toutes mes représentations ont été annulées. Donc le confinement a été déclaré et là, j'ai décidé de déballer mes bagages et vraiment de profiter, de me réimprégner à nouveau de chez moi, de ma maison d'enfance, du ciel de chez moi qui m'a toujours manqué. Et au bout d'un moment, j'ai eu besoin d'enregistrer, de faire des choses, de chanter. Donc j'ai fait des lives. Et puis je me suis dit, il faut vraiment que j'enregistre ces moments-là, parce qu'il y a tellement une émotion, une expression que j'ai jamais eu sur disque avant. Et par contre, je n'avais pas du tout d'instrument, je n'avais rien ramené avec moi. Bien sûr. Donc du coup, j'ai commencé à faire des petits posts Facebook. Et un de mes fans, qui est aussi un de mes voisins, avait une guitare. Et il m'a dit, voilà, tu peux la garder autant que tu veux. Et heureusement, parce que cette guitare a été vraiment mon meilleur ami et m'a permis d'enregistrer The Tunis Diaries. Et notamment de participer en plein confinement à une émission confinée de Maghreb Orient Express. On va écouter donc un extrait du clip « Princesse Mélancolie ». Princesse Mélancolie, Princess Mélancolie en anglais. Que dit ce morceau ? C'est un peu autobiographique parce que j'ai toujours été quelqu'un avec une sensibilité à fleur de peau. C'est aussi un hommage à tous les gens qui sont un peu blessés par la société, qui ne sont pas compris, dont la différence est incomprise et inacceptée. Donc voilà, ça s'élargit un peu. C'est mon morceau qui est un peu plus sensible. C'est avec le musicien Sami Dalal, on précise, on n'avait pas dit son nom. Emel, alors il y a la partie day, le jour, et la partie night, la nuit. 9 de vos anciens titres dans cet album. Et vous signez aussi 9 reprises, c'est plutôt saisissant et réussi, d'artistes rock et metal. David Bowie, Nirvana, Jeff Buckley, Leonard Cohen notamment. Pourquoi avoir voulu reprendre les titres de ces pointures métallo, pop, rock ? Parce que je me suis retrouvée dans la maison qui a vu naître ma passion et qui a vu, dont les murs ont entendu mes premiers mes premiers essais de chant. Et du coup, en fait, j'ai retrouvé tous mes démons, tous mes fantômes. Et ça a été un peu une période de transition entre toutes les facettes de moi. Et dans cet album, j'ai trouvé une manière de me réconcilier avec toutes ces facettes et de m'en imprégner, de les présenter et de me redéfinir avec une palette un peu plus grande. Parce que ces chansons-là, en fait, elles ont accompagné mon adolescence et puis par la suite, mes premières années en tant qu'auteur-compositeur, en tant que chanteuse. Ça vous a construit C'est une partie très importante de moi. Et parmi votre actualité aussi, il y a donc ce projet, ces célébrations pour le poète Adonis. Donatien Gros, ce projet, vous le portez avec l'une des filles du grand poète syrien, Arwad Esber. Quelle forme a pris cet hommage au grand poète, dites-nous ? Alors d'abord, effectivement, j'ai eu le privilège d'inventer ce projet
avec Arwad, mais aussi avec beaucoup d'autres participantes et participants, puisque chaque personne qui a participé, que ce soit ceux, celles et ceux qui ont participé à la conception du site de manière entièrement généreuse et spontanée, ou que ce soit toutes les participantes, tous les participants, dont Emel, à ce projet, le projet n'aurait pas été ce qu'il a été sans chacune et chacun de ses participantes et de ses participants. Donc c'est vraiment une entreprise collective où chaque voix compte autant que les autres. Et ça, c'était une idée centrale au fond de ce que nous avons. Pourquoi célébrer Donatien Gros le dernier jour des 90 ans d'Adonis ? Il a eu 91 ans le 1er janvier dernier, 2021. 91 ans, vous célébrez le dernier jour de ses 90 ans. Alors il y a deux raisons à cela. La première, c'est que personne n'a célébré ses 90 ans de manière significative, de manière collective comme nous l'avons fait. Aucune institution ne s'en est préoccupée. Et dans les discussions que nous avions avec des poètes, des artistes, entre nous, nous disions, mais cette figure est là parmi nous, nous avons le privilège de l'avoir parmi nous, alors pourquoi ne pas le faire ? La deuxième raison, qui est plus, évidemment, ça aurait pu être auparavant, ça aurait pu être quelques mois auparavant, mais comme vous le savez, Adonis a choisi son nom, parce que Adonis est le dieu du renouvellement, le dieu mésopotamien du renouvellement. Le passage d'un monde à un autre, le basculement d'une période à un autre, d'un mode d'être à un autre. Et évidemment, choisir ce dernier jour qui était la veille du premier jour, le dernier jour de l'année, de cette année que nous avons vécue, avant le premier jour qui sera par ailleurs ce nouvel anniversaire pour lui, c'était une manière de marquer l'importance de son choix de nom et l'importance de ce choix de nom, de ce que sa vie a pour nous toutes et nous tous. Renouvellement, cette capacité de transformation de la poésie. Alors, Ai Weiwei, Dominique Edé, Edgar Morin, Rachida Brakni, on les a vus à l'image, Zoé Valdez, Vénus Kourigata, mais aussi Abdel Malik, on regarde. Livre des extases, El Nifari, extase de la mort. Il m'a arrêté dans la mort. J'avais considéré tous les travaux comme des mots. J'avais vu la peur dominer l'espérance, j'avais vu la richesse devenir feu. J'avais vu en la pauvreté un rival en protestation. J'avais vu que toutes les choses ne pouvaient rien, que l'autorité était vaine et le royaume tromperie. J'en avais appelé à la science et elle ne m'avait pas répondu. J'en avais appelé à la connaissance et elle ne m'avait pas répondu. Voilà pour Abdel Malik. Alors, Donatien Gros, on va en dire un peu plus sur ce grand poète. Hein. Exilé au Liban en 1956, qui était emprisonné d'ailleurs par le pouvoir syrien à l'époque. Il choisit l'exil à Paris en 1985. « Ma poésie, dit-il, est un projet, pas seulement un projet esthétique, un projet de civilisation. Qu'a-t-il apporté et qu'apporte-t-il encore à la littérature arabe et plus au-delà, la littérature tout court ?» D'abord, Adonis est poète. Il est profondément et essentiellement poète. Et une grande figure de poète au présent qui serait capable, comme lui l'est, d'intégrer toutes les formes de la poésie épique, la poésie pédagogique, la poésie amoureuse, la poésie métaphysique, l'intégrer comme lui le fait, personne d'autre, à ma connaissance, ne le fait avec une telle ambition. Ensuite, c'est une personne qui a ancrer sa poésie dans une langue, la langue arabe. Le passage que vous passiez d'Anifari, lu par Abdel Malik, c'est moi qui ai été le secrétaire d'Adonis quand il a voulu le traduire. Et le voir se débattre avec ce texte d'un mystique au texte très difficile du Xe siècle, eh bien, c'était extraordinaire. Il a une connaissance de la langue arabe quasiment, je pense, sans égale. Mais c'est aussi un poète qui a sans cesse créé des ponts vers le modernisme, créer des ponts vers toutes les poésies. Et cette figure, il dit lui-même que la langue arabe est sa deuxième mère, mais c'est sa deuxième mère en même temps que dès le début des années 60, avec la fameuse revue Shir, il l'a traduit, il l'a fait passer avec Saint John Perse, avec tous les grands poètes qu'il traduit immédiatement dans sa poésie. Donc cette figure-là, cette figure d'un poète sans compromis, d'un poète qui vit la poésie jusqu'au bout, qui l'intègre dans une ambition extraordinaire au cœur du monde, sensible au monde et en même temps à la métaphysique, au cosmos, il n'y en a pas d'autre. Une poésie sans contrainte, avec une liberté donc totale, sans contrainte idéologique, religieuse ou culturelle. Emel Matlouti, avant de laisser votre place à notre invité tout à l'heure qui va nous rejoindre, Khadija Mohsen Finan, que représente pour vous ce poète et pourquoi avoir participé à ces célébrations ? Moi, je pense que c'est mon poète préféré arabe, avec Gibran Khalil Gibran. Et donc, c'est mon poète arabe vivant préféré. Et c'est quelqu'un d'une humilité extraordinaire, malgré tout ce qu'il représente.
Et comme disait Donatien, en fait, ce qui m'a beaucoup inspirée dans mes premiers pas en tant que songwriteuse, je ne vais pas dire poète, mais j'avais choisi un chemin différent dans l'écriture de chansons, dans la langue arabe et dans la langue arabe, dans le tunisien. Et des gens comme Adonis, en fait, m'ont un peu pris par la main parce que justement, de m'encourager à aller dans la modernité et dans la modernisation de notre langue et de notre approche à la poésie. Voilà pour ce bel hommage, ces belles célébrations. Merci beaucoup, Emel, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir 10 ans donc après cette révolution tunisienne dont on va continuer à parler dans quelques instants. En attendant, le nouvel an berbère avec une statue du roi Chachnak érigée il y a quelques jours à Tizi Ouzou en Algérie à l'occasion du nouvel an berbère. Voilà qui inspire Slimane Zeghidour. Il ne se passe pas une année sans que la Kabylie ne s'offre un nouveau monument à la gloire d'un héros, berbère, forcément. À cet égard, l'an 2021 n'aura pas dérogé à ce qui est devenu une quasi-coutume politico-artistique. À ceci près que cette fois-ci, le héros retenu n'est pas un enfant du pays, un moudjahid de la guerre d'indépendance, mais un obscur pharaon d'Égypte, Chochenk Ier, initiateur de la 22e dynastie autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. La raison de ce choix? Chochenk Ier, d'origine libyque, est donc un berbère, souligne un militant berbériste proche de l'ex-académie berbère de Paris qu'il a finalement sorti de l'oubli. Cet universitaire, cherchant à fixer ce qui serait l'an zéro d'une ère berbère, a finalement opté pour la date de la prise du pouvoir par ce pharaon, soit 950 avant Jésus-Christ. C'est ainsi qu'a vu le jour, au tournant de 1980, un calendrier amazigh, lequel a entamé à partir du 12 janvier 2021 son an 2971. Il n'empêche, si des historiens ne voient que pure invention dans le lien établi entre le roi Chochenk Ier et le calendrier amazigh, ce dernier a déjà bel et bien gagné son droit de cité en Algérie, y compris au niveau officiel. Les Égyptiens, quant à eux, ne boudent pas leur plaisir de voir des Kabyles, ces adversaires résolus du panarabisme nassérien, intégrer un roi d'Égypte dans leur panthéon national et culturel. C'était l'œil de Slimane. Khadija Mohsen Finan nous a rejoint. Bienvenue, vous êtes politologue, historienne, spécialiste du Maghreb. Tiens, d'ailleurs, dans votre livre, Tunisie, l'apprentissage de la démocratie 2011-2021, vous citez cette phrase de manifestant. C'était en réaction au dernier discours de Ben Ali, prononcé le 13 janvier, la veille de son départ. Les manifestants ordonnent au chef de l'État de dégager une injonction qui exprime, selon vous, un renversement total de l'autorité. Oui, d'habitude, c'est eux qui reçoivent l'autorité et là, ils lui dictent en réalité quelque chose. Ils lui demandent de partir, c'est une injonction et ils dégagent. Donc effectivement, là, c'est absolument inattendu. Et ça a une force extraordinaire, on est dans un retournement de situation. Ouais. Dégage, irhal en arabe, ce fameux mot. Aujourd'hui encore même, dans la politique française, on parle de dégagisme quand on dit qu'on veut sanctionner un dirigeant politique. Ça a essaimé un peu partout dans le monde. Et il a été prononcé en français, c'est le seul. C'est vrai, dans le texte, c'est ce que vous dites. Où en est-on dans ce que vous appelez l'apprentissage de la démocratie? On continue à apprendre, à faire beaucoup d'erreurs qui sont très préjudiciables au quotidien des Tunisiens. Les Tunisiens vivent très difficilement cette transition au plan social, au plan économique. Les classes moyennes ont perdu beeucoup au niveau de leur
pouvoir d'achat. Il y a au niveau des services publics une dégradation, il y a une perte de l'autorité de l'État, il y a un manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Tout ça est une réalité. Pour autant, je pense qu'il y a des acquis et que les choses ont fondamentalement changé. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Vous le disiez tout à l'heure, la liberté, on a l'impression que c'est rien, la liberté, et les gens sont fatigués d'en entendre parler, parce que c'est vrai que quand on ne peut pas payer ses factures, quand on ne peut pas éduquer correctement ses enfants, on ne peut pas entendre parler de liberté, on ne veut pas en entendre parler, mais en réalité, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses parce que les gens peuvent s'exprimer, ils peuvent dire, ils peuvent nommer leur douleur. Et on le voit bien, les chômeurs ne sont peut-être pas plus nombreux qu'avant, mais ils s'expriment différemment. Le mécontentement, il n'est peut-être pas plus important qu'avant, mais il se dit. Au niveau de la Constitution, elle n'est pas parfaite et elle est très difficile à mettre en traduction. Au niveau des faits, mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que on a mis le droit au-dessus de la religion et de la tradition, c'est énorme. Donc il y a cet esprit de la révolution qui est fondamentalement un esprit de liberté, la liberté de voter aussi, de choisir ses dirigeants, des élections libres. Pour autant, ce clivage en tous les cas, enfin ce clivage, pas ce clivage, mais en tous les cas, ce qui n'a pas été résorbé, c'est cette fracture sociale et économique entre le littoral et l'arrière-pays. Pas uniquement, énormément de choses. La justice transitionnelle n'a pas été là. La Cour constitutionnelle qui est prévue n'est pas là non plus. Tous les changements attendus au niveau de l'État, de l'administration, les réformes en profondeur, on parle toujours, et on a bien raison de le faire, des conditions économiques et sociales qui sont désastreuses, mais ce n'est pas uniquement. Beaucoup de choses sont à la traîne. Mais à ce sujet, est-ce que la collusion exubérante qu'il y avait entre les pouvoirs, les milieux financiers et le clan Ben Ali, est-ce qu'aujourd'hui il est rompu ou est-ce qu'il existe encore ce système quelque part entre les milieux d'affaires et la classe dirigeante ? Il existe différemment. Par exemple, la corruption, elle existe. Elle est peut-être plus importante puisqu'elle existait auparavant, mais elle était quand même contenue par un clan, par un fonctionnement qui n'existe plus. Donc quand vous ouvrez un système, tout s'ouvre. Et c'est très difficile à contrôler et à maîtriser. Donc effectivement, vous pouvez vous débarrasser d'un fait qui paraît pesant et ne pas résoudre les questions pour autant. Donc le changement, il est là, mais il ne profite pas aux Tunisiens. Une dernière question politique. L'idée d'une restauration s'invite-t-elle au débat en Tunisie 10 ans après ? Est-ce qu'il y a une contre-révolution qui frappe à la porte ? Non, je pense qu'il y a un débat, je pense qu'il y a une peur, et je pense que, et c'est le lot de toutes les révolutions, quand les gens sont mécontents, ils se réfugient dans un passé qu'ils réécrivent, qu'ils embellissent. J'espère que c'est passager et qu'on a tort de le faire, parce que ce n'était pas du tout mieux avant. Et nos coups de cœur à présent, les coups de cœur culturels de nos invités sur notre séquence Atmosphère. Donatien Gros, vous avez choisi l'exposition simultanément, Travaux in situ et en mouvement, de Daniel Buren et Philippe Parreno à la galerie Kamel Menour à Paris. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est une expérience poétique d'habiter le monde. Je me suis dit qu'en lien avec, parlant de poésie avec Adonis, visiter cette exposition, voir ses couleurs, la lumière du jour, le fait qu'elle change selon le moment de la journée où on la visite, eh bien, c'est véritablement vivre une expérience poétique, une expérience sensation, une expérience de couleur, une expérience de vie personnelle et à la peau du monde, c'est de voir cette exposition. Joli coup de cœur. Emel, qui était avec nous tout à l'heure, a choisi le peintre américain Benny Andrews. On va voir à la fois son visage et quelques-unes de ses œuvres. On vous conseille vraiment, vraiment de le découvrir. C'est vraiment une belle découverte pour nous à Maghreb Orient Express grâce à Emel, et donc, qui témoigne aussi de son attachement à New York et aux galeries d'art new-yorkaises. Khadija Mohsen Finan, on va rester avec vous avec la révolution tunisienne. Et l'autre grande figure, si l'on peut dire, de cette révolution, c'est Willis From Tunis, 10 ans et toujours vivant, aux éditions Elizade, le fameux chat.
Oui, c'est un chat qui est né avec la Révolution, puisque son premier dessin, elle l'a fait lorsque Ben Ali a prononcé son dernier discours, et comme une forme de libération. Et effectivement, c'est une période où on a vu effectivement naître une production artistique très importante. Elle avait une trentaine d'années à l'époque, et elle a suivi cette transition jour après jour par des dessins, et elle s'exprime, son chat s'exprime tous les jours, avec ses états d'âme, avec ce qui n'était pas possible avant, avec ses colères, avec ses satisfactions. On peut être d'accord ou ne pas d'accord. Moi, je ne partage pas tout ce qu'elle dit, mais ça suscite le débat, et c'est parfait. Merci beaucoup, Khadija Mohsen-Finan, d'être venue dans Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèle à MOE. On se retrouve la semaine prochaine, mais aussi quand vous le souhaitez sur la plateforme francophone mondiale TV5 Monde Plus.